Salut à tous et bienvenue sur la vieille bécanique. Aujourd'hui, on voit comment rénover des boiseries de vieilles bagnoles. Et ça, on va le faire dans notre bonne vieille XJ40, bien sûr, parce qu'il y a du taf. Alors, avant de commencer, je tiens à vous prévenir que c'est la première fois que je faisais ça. Je suis plutôt satisfait du résultat, donc je pense que partager mon expérience pourra servir à d'autres. Donc, ce tuto, il est valable pour toutes les vieilles bagnoles qui ont des boiseries en bois, de toute façon. Enfin, en bois. Plaquage bois, mais ça, c'est quasiment toujours le cas. Et on verra deux techniques. Donc, la technique sur du bois. Et puis là, on a un plaquage qui est beaucoup trop fin sur la console centrale. Donc, là-dessus, on verra comment appliquer un sticker, c'est fait ronce de noyer. Alors, la première étape, c'est de démonter toutes les boiseries à refaire. Hélas, je vois pas comment on pourrait les refaire en les laissant sur place. Généralement, il n'y a que quelques vis à retirer, puis il suffit de les déboîter. Mais en fonction du modèle de votre voiture, je vous invite à vous renseigner sur la façon de les retirer afin de ne pas les abîmer. J'ai commencé par les boiseries de porte et la méthode traditionnelle. Le principe va être de revernir la pièce. Et pour ça, il faut déjà complètement enlever l'ancien vernis. J'ai fait ça à la ponceuse avec un grain 240 et je vous préviens, c'est vraiment long. Il reste des petites traces blanches, mais il n'y a plus de vernis. Hein. Donc ça, je pense qu'une fois que le nouveau vernis sera appliqué, ça brillera partout et ce sera uniforme. Et de toute façon, on va dégraisser un coup avant de faire la couche de vernis. Donc pareil, ça devrait homogénéiser la couleur du bois. Je viens de me rendre compte d'un truc plutôt cool. Plutôt que de me faire chier à tout poncer, en fait, en grattant avec une lame de cutter ou de couteau, on arrive assez facilement à enlever le vernis. Et, enfin, facilement. C'est pas évident, évident, mais ça reste plus rapide que de le faire en ponçant. Donc du coup, je vais tout faire comme ça. Le petit inconvénient, c'est que ça laisse quelques petites marques sur le bois, mais il n'y a quasiment rien hein, quand on touche. Donc après, un coup pareil à la ponceuse, juste pour fignoler que le bois soit bien propre. Et puis ça devrait être nickel. Donc voilà, le premier, je me suis fait chier à le poncer. Les autres, je vais les gratter. Bon, sur celui-là, les bords sont tellement pourris que rien qu'avec les ongles, on arrive à enlever un début du vernis. On va revenir un petit peu plus tard sur les boiseries de porte, et là on va passer à la console centrale et au grille de ventilation. Et là on va utiliser la deuxième méthode en utilisant du stickers et fer ronce de noyer. Le problème de ces pièces, c'est que c'est un plaquage extrêmement fin qui est collé directement sur des pièces métalliques. Du coup, il s'est décollé et il a cassé par endroits. Et là, c'est impossible de le reponcer pour le revernir. Voilà pourquoi on n'a pas le choix et qu'on va utiliser la technique du stickers, même si c'est beaucoup moins noble. C'est en direct. Là tu vois? Ouais. C'est comme quand je dépluche des fruits, tu vois. Et là tu vois, en fait en faisant ça, en le cassant comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs épaisseurs. On a commencé par retirer tout le plaquage des supports métalliques, et là encore la technique du couteau est la plus efficace. Ensuite on passe un coup de papier de verre pour finir et nettoyer le support, qui va maintenant nous servir de gabarit pour la découpe du stickers. J'ai pas filmé, mais un petit coup d'acétone pour dégraisser avant le collage, ça fait jamais de mal. On avait coupé les stickers un peu plus large que ce qu'il nous fallait, ce qui nous permet de faire une finition bien propre avec une lame de cutter. On pourrait laisser comme ça, mais on a décidé de faire mieux. Vous allez voir ça juste après. Pour l'instant, même punition pour la console centrale.
Bon voilà, les boiseries sont complètement terminées d'être préparées. J'ai fini avec du grain 600, il n'y a plus du tout de vernis. Tout est parfaitement lisse et on est prêt à mettre une nouvelle couche de vernis. Donc le vernis qu'on va utiliser, c'est un vernis époxy, donc 10 composants. On peut y rajouter même du diluant, donc tricomposant si on veut, pour faire le mélange en tout cas. Ce vernis par contre, il faut l'utiliser aux alentours de 20 degrés, c'est l'idéal. Aujourd'hui, il fait un peu frais, il fait 15 degrés, mais bon, pour des tests, ce sera parfait. Il faisait un peu froid jusque là, hein, c'est pour ça qu'il y a quelques mois qui se sont écoulés depuis les derniers rushs. C'était l'hiver, hein, ça caillait, donc pas de vernis, pas de peinture, c'est hors de question de faire ça dans le garage, parce que c'est quand même très volatile, il s'en fout partout. Aujourd'hui, je peux enfin attaquer, on va pouvoir continuer les boiseries et les terminer là dans les quelques jours qui viennent. Les 4 morceaux complètement prêts, et c'est assez marrant parce que là on voit vraiment bien comment c'est fait. C'est un contreplaqué, focus, avec sur la dernière couche une fine tranche de ronce de noyer. Et on voit tout de suite que c'est des boiseries qui suivent en fait hein, sur la fine tranche de ronce de noyer. Parce que regardez le motif, on le retrouve à chaque fois, qui suit. D'ailleurs, on peut même voir, hop là, on pourrait refermer. Tac, là, si on referme, hop, on voit tout de suite que c'était deux morceaux qui se suivaient complètement. Bon, c'est un petit peu dommage parce que du coup, bah, c'est le même motif sur chaque morceau. Moi, j'aurais préféré que ce soit des motifs différents, mais bon. Ça donne une unité comme ça et puis une teinte qui est à peu près identique sur tous les morceaux. Alors ce premier essai, on va le faire à l'aérographe. Hein. Vu la quantité à vernir, il n'y a pas besoin de plus. En plus de ça, c'est qu'un essai, donc ça me fera moins de nettoyage. Au niveau du vernis, du coup, j'utilise celui-là. Donc ça veut dire qu'il faut 3 doses de celui-là, qui est le vernis, pour une dose de celui-là, durcisseur. Et puis j'ai un petit peu de diluant si jamais il y a besoin. Donc résultat, le lendemain, c'est bien sec au toucher. Par contre, on voit que le bois n'a pas bu le vernis de façon uniforme. Donc je vais passer un petit coup de papier de verre, grain 600, à la main. Et après, on va pouvoir refaire une couche. Et normalement, comme le bois est à saturation, là, il ne va pas reboire. Et du coup, on va avoir une prochaine couche de vernis qui sera bien uniforme. Sachant que la prochaine, je la fais au pistolet, histoire de pouvoir charger un peu plus. Puis j'ai fait un essai en plus, là, par-dessus les stickers. On voit qu'à l'aérographe, ça charge pas assez en fait, donc ça fait une légère peau d'orange. Prochain coup, au pistolet, ce sera mieux. On est le lendemain, voilà le résultat. Franchement, c'est super classe. Même sur le vinyle, le côté vernis, vraiment, il apporte quelque chose, ça donne de l'épaisseur à la matière. C'est déjà sec, hein, on peut manipuler. Il y a une légère différence de teinte, forcément, entre le vrai bois et le vinyle. Mais de toute façon, même si j'avais retrouvé du vrai bois, c'est pareil, pour retrouver la même essence, c'est pas évident, donc il y aurait eu aussi une petite différence de teinte. Et sinon, j'ai des tout petits défauts, là. Enfin, petits. Ils sont pas si petits, mais je trouve qu'ils sont assez jolis, ils donnent du charme à la pièce. C'est les endroits où il y avait les anciennes fissures de vernis. En fait, c'est le bois en dessous qui a légèrement fissuré. Et du coup, ça fait comme des creux au niveau où il y avait ces fissures. Il n'y a que celle-là que je vais refaire, parce qu'on voit qu'elle a d'autres petits défauts. C'est des trucs qui se sont mis dessus, hein, qui se sont envolés et qui se sont posés dans le vernis au moment où je l'ai fait. Donc celle-là, je vais la reponcer, je vais lui remettre une couche. Et en fonction du résultat que j'ai, bon, peut-être que je referai les autres. Mais sinon, les autres, je les trouve déjà vraiment satisfaisantes. Par contre, comme vous pouvez le voir, c'est hyper salissant. Hein. Je les ai touchés 2-3 fois. Et ça y est, on voit toutes mes traces de gros doigts gras. Pourtant, je m'étais lavé les mains. Hein. J'ai pas fait ça avec les doigts pleins de cambouis comme un gros cochon. Du coup, j'ai démonté le reste et je vais le refaire aussi.
Là encore, le ponçage a été très long et difficile dans les zones courbées. Honnêtement, si vous êtes un peu feignant, vous lancez pas là-dedans parce que vous allez jamais terminer ou alors vous allez terminer avec un résultat dégueulasse. Alors, résultat de cette deuxième session de vernis. C'est pas mal du tout. Il y a des défauts, hein, je vais pas vous faire croire que c'est mieux que quand c'est sorti d'usine, mais on a quelque chose. Genre là, la nouvelle baguette que j'ai refaite de portière, bah du coup elle est nickel, on a réussi à effacer quasiment intégralement les petites fissures là du bois. Il y a celle-ci qu'on voit encore, mais c'est tout, les autres ont disparu. J'ai réussi à vraiment charger épais, hein. D'ailleurs on voit là, ça fait un léger bord. Est-ce que ça va se voir? Là, on voit, il y a tellement j'ai réussi à charger, là ça a fait une presque goutte tout du long. Et par contre, ça a fait une espèce de petite laitance, ou comme s'il y avait des petites bulles d'air à l'intérieur. Donc il y a 2-3 endroits qui sont un petit peu blanchis. Donc je ne sais pas si vous savez à quoi c'est dû, ça par contre, moi je ne le sais pas. Peut-être que j'ai pulvérisé de trop près. J'ai la même chose sur celui-là, là, à cet endroit-là. Donc je ne sais pas ce que c'est. Par contre, en termes d'épaisseur de vernis, là j'ai mis vraiment encore plus épais que la dernière fois. Pourtant en deux couches également. Au niveau des défauts aussi, bah on a cette couleur qui est un peu spéciale avec des endroits qui s'éclaircissent. Donc les endroits qui s'éclaircissent, c'est clairement là où j'ai trop poncé. Et du coup, je suis soit comme là, quasiment sur l'épaisseur de contreplaqué du dessous. Donc c'est plus de la ronce de noyer. Soit comme là, bah là je l'ai carrément complètement effacé, hein, la ronce de noyer. Et c'est dommage. Mais bon, l'ensemble, ça reste quand même propre. J'ai réussi à paniquer le petit SRS là, de l'airbag. La partie qui est plus claire, on devine, c'est là où il reste de l'ancien vernis en dessous. Pareil, c'est pas gênant. Et sinon, celle-là, elle est plutôt bien réussie. Il n'y a pas d'endroit blanchi laitance. Par contre, il y a 2-3 endroits où, pareil, j'ai poncé un petit peu fort et on voit derrière. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt content du résultat. De toute façon, comparé à ce que c'était avant, bah là, c'est magnifique. Donc c'est parti, on va remonter tout ça dans la voiture. Et ce coup-ci, les boiseries seront terminées. Mais d'abord, il faut tout réassembler. Avant de remonter la console centrale, on en profite pour la démonter encore un peu plus et changer les quelques ampoules grillées. C'est beaucoup de travail, mais l'amélioration est à la hauteur. Voilà, moi je suis vraiment content du résultat. Quand on voit d'où on partait, le gap est juste énorme. Alors après, comme je le disais, ça demande un vrai gros effort. Si vous êtes un peu feignant ou impatient, vous lancez pas là-dedans. Même si c'est dommage parce que le travail est à la hauteur de l'amélioration. Alors sur ce, j'espère que ça pourra servir à certains. Je vous dis bonne restauration et à bientôt dans une prochaine vidéo.